Il faut qu'avant qu'on puisse le faire, que ça plaise ou non, il faut une alliance, soit idéologique, soit en tout cas, comment dirais-je, juste d'intelligence, hein, de s'allier chrétiens et musulmans, parce que je signale quand même que sur les valeurs familiales, sur le fait de ce qu'on défend, c'est-à-dire d'éviter la déstructuration des familles, d'éviter qu'on nous pique nos gosses, d'éviter qu'ils voient du porno à 3 ans, d'éviter la théorie du genre à l'école ou ce genre de merde, les chrétiens et les musulmans sont d'accord. Et même certains juifs qui sont passionnistes, d'ailleurs. Il faut que tous les gens qui sont contre cette merde satanique qui nous détruit se foutent ensemble, que ce soit idéologique ou que ce soit simplement par intelligence, par stratégie, ça doit être fait. Le jour où ça sera fait, je pense que là, on pourra faire quelque chose. Tant que ça n'est pas fait, c'est hors de question parce que ça ne marcherait pas. Un des hauts mots de passe de la franc-maçonnerie, c'est confusion et division. Bon. Voilà, Phaleg. Bon, et on est en plein dedans. Tant que cette confusion et cette division n'auront pas été réglées en France, déjà par les gens qui y sont, et en évitant d'attaquer systématiquement le musulman ou le chrétien ou le machin, et quand les gens se mettront ensemble contre ça, alors là, oui, voilà. Mais malheureusement, malgré les efforts faits, je vois pas tellement que ça vient. Donc, le jour où ça viendrait, ah oui, ah oui, ah oui, vraiment. Ah ça, vous pouvez être sûr. Mais on n'en est pas encore là. Mais non, parce que là, revenir en France pour Stéphane, moi, c'est à coup sûr, vu au rythme où ça va, c'est à coup sûr bientôt l'internement avec camisole de force, si ça continue comme ça, pour les gens comme nous, hein. Oui, mais c'est pas la je te dis, je suis revenu en décembre, j'ai passé 3 semaines en France, hein. Donc voilà, mais effectivement, je l'ai. Non, Stéphane, tu as passé 3 semaines en France, mais imagine que ça se produit une fois que la vaccination obligatoire.